Bon, au départ, évidemment, c'est le dépassement de soi-même, là. C'est un défi personnel. Puis je le fais aussi, évidemment, comme j'avais écrit sur le site de la Fondation, je le fais avec une pensée particulière pour les malades pulmonaires. En tant qu'inhalothérapeute, je ne peux pas faire autrement que de réaliser que j'ai la chance d'avoir une santé qui va pouvoir me permettre de faire, j'espère, le sommet du Island Peak. Immensité. Épuisement. La joie extrême. Merci Jean-Pierre. Ça va être extraordinaire, ça va être des paysages merveilleux, ça va être surréel. J'ai déjà entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais que c'est le pays dans le monde où les gens retournent le plus souvent. Quand tu y vas une fois, tu veux retourner peut-être toute ta vie. Bien, à la base, l'idée d'aller monter ça, c'était justement sortir de sa zone de confort, se fixer des objectifs, repousser ses limites. Puis, bien, personnellement, en plus, de le faire avec mon père, c'est quelque chose d'unique, là, puis c'est vraiment quelque chose qui me motive aussi, là. Puis je pense qu'on va viser le sommet. Je l'ai fait. J'ai plus d'énergie. Étant donné qu'on participe à une levée de fonds pour un hôpital, on ne pouvait pas passer à côté l'opportunité de s'instruire puis d'augmenter les connaissances sur la situation qu'on va vivre. Nous, on va plutôt étudier la façon que le cœur fonctionne. Parce que ça fait des années que les gens cherchent une manière de prédire le mal des montagnes. La solution n'a pas été trouvée encore, puis on pense que peut-être en regardant la fonction du cœur, la relation entre le côté droit et le côté gauche du cœur, ça va nous donner des indices qui vont nous faire anticiper le fameux œdème pulmonaire de haute altitude là, qui peut arriver à tout moment. Ben, pour moi, la recherche, c'est 40 % de mon temps à l'hôpital. Donc, c'est sûr que ça fait partie de ma vie. J'adore ça, c'est ma passion. Tout le monde le sait, j'ai une nouvelle idée de recherche à chaque jour. Donc, pour moi, de participer, c'est la moindre des choses. Puis, voir mon petit cœur battre, quand je vais désaturer à 60 %, ça va être intéressant. C'est ça, c'est un défi personnel en même temps là, de monter à 6200 mètres. C'est pas tout le monde qui fait ça puis qui a la chance de le faire aussi. Je m'attends à un bon défi là, à relever avec l'altitude, autant avec la marche aussi pour la randonnée. Je me suis quand même bien préparé, j'espère que ça va bien aller. Je suis confiant. Comment tu te sens, Michel? Quoi? Dis bonjour, monsieur. Un peu stressé. Non, gars, il va me sauter. C'est un excellent défi, puis je pense que ça représente aussi ce que les patients qui sont atteints des maladies cardio-respiratoires, qui doivent vivre, passer là, jour après jour, là, essayer là, de passer à travers la maladie puis de vivre ça. Alors, nous, on a travaillé pendant plusieurs mois à essayer de ramasser cet argent-là. Ça représente un peu. C'est sûr, c'est pas du tout la même chose. Ça donne une petite idée. C'est spectaculaire, mais je suis complètement épuisée. Mais ça valait la peine de le faire. On était un petit peu tous sur la coche et un voyage comme celui-là, c'est un voyage que je m'étais réservé pour plus tard, mais l'occasion s'est présentée avec une belle cause, alors c'est pour ça qu'on saute aujourd'hui dessus. Et c'est une occasion là, de faire un peu un petit peu de ressourcement. Là. Trois semaines, pas de télévision, pas de... Tu sais, ça va faire du bien. Je suis fatigué, épuisé. Je me demande comment on va faire pour redescendre. Ah, mais c'est spectaculaire par contre. Et toutes les montagnes qu'on a vues en ce moment, ils sont tout autour. Merci.
c'est plutôt une concrétisation d'un rêve d'adolescente. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose de grand, de beau, qui sort de l'ordinaire, un peu aventurière. Et puis ce projet-là est venu me chercher vraiment. Puis c'était clair que j'y allais. Ça fait bzzz dans ma colonne vertébrale. Puis le projet est venu me chercher. Tu sais l'expression quand on dit qu'il faut embarquer dans le train lorsqu'il passe? Alors c'était ça, là. C'est étrange, je suis plongé dans l'état d'esprit que j'avais quand je lisais les romans d'Anne Souyin, particulièrement celui qui s'intitule « La montagne est jeune ». Ça me revient, toute la journée j'ai pensé à ça. Je retourne 45 ans en arrière et je me sens bien. Je me sens fébrile, mais je me sens bien, je me sens avec une certaine plénitude. Je suis souvent allée au bout de mes capacités intellectuelles en tant que, quand j'étudiais des heures et des heures à prendre des chapitres de livres, mais je suis jamais allée au bout de mes capacités physiques. Alors pour moi, c'était une façon de le faire. C'était sur ma to-do list avant de mourir. Jean-Jacques Gauthier, c'est moi, je suis pneumologue, c'est un collègue de travail qui est décédé aujourd'hui et qui, dans son dernier sabbatique avant son décès, dans la soixantaine, avait eu un rêve fou. De partir un centre de réhabilitation pour les insuffisants respiratoires. Alors, on est bien contents. Le centre Jean-Jacques Gauthier, c'est un peu le centre épique de l'Institut Cardio. C'est notre centre épique ici à Sacré-Cœur. Donc, pour moi, le défi personnel et cette belle cause-là que je voulais embrasser, c'était l'occasion rêvée. Bon, là, Seigneur. Allez.